السلام عليكم ورحمة الله أشهد الله Le premier compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Mawith bin Harith. Il appartenait à la tribu Khazraj des Ansar. Son père se nommait Harith bin Rifa et sa mère se nommait Afra bin Ubaid. Morwiz était le frère de Mouaz et Aouf. tous les trois avaient le même père et la même mère et on les nommait tous les trois les Banu Ofra. <coughs> Ibn Ishaq est l'unique chroniqueur à rapporter que Maurice était parmi les 70 compagnons ayant participé à la deuxième Bayra d'Aqaba. Morwiz était marié à Umyazid bint Kays. Deux filles sont nées de ce mariage. Elles se nomment Rubay bint Morwiz et Umaira bint Morwiz. Morwiz avait accompagné ses deux frères Moaz et Auf lors de la bataille de Badr. Lors de la bataille de Badr, Marwith, Moaz et Auf, qu'on nommait les Banu Ofra, et Abul Hamra, qui étaient leurs esclaves affranchis, avaient un seul chameau qu'ils utilisaient à tour de rôle. J'avais d'ores et déjà mentionné le récit suivant en évoquant Moav, mais il est important d'en faire mention ici de nouveau à l'égard de Morwyd. Anas rapporte que le jour de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a demandé qui ira voir quelle fin a connu Abu Djahal? Abdullah bin Massoud est parti et il a constaté que Moad et Moawith, les deux fils d'Afra, l'avaient frappé à coups d'épée et Abu Djahal était sur le point de rendre l'âme. Abdullah bin Massoud lui a demandé Es-tu Abu Djahal? Ensuite, il a attrapé par la barbe, relate Anas. Abu Djahal lui a demandé Avez-vous tué quelqu'un de plus éminent que moi? Où il aurait demandé Existe-t-il de peuple qui ait tué quelqu'un de plus éminent que moi Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliul a commenté sur ce hadith d'Al-Bukhari. Il explique que selon certains récits, Moaz et Moawith, les deux fils d'Afra auraient mortellement blessé Abu Jahl et Abdullah bin Massoud l'auraient ensuite décapité. L'imam ibn Hajar, quant à lui, a présenté la possibilité qu'après Muad bin Amr et Muad bin Afra, Muawith bin Afra aurait lancé une attaque contre Abu Jahl. Le deuxième calife a évoqué en ces termes la mort d'Abu Jahar. Il déclare, l'homme aime faire la fête et il pense que telle ou telle chose lui est avantageuse quand celle-ci est en fait la cause de sa destruction et de sa mort. Au jour de la bataille de Bad, lorsque les mécréants de la Mecque se sont approchés, ils croyaient pouvoir vaincre les musulmans. Et Abu Jahal a déclaré, nous allons fêter cela et nous allons nous gorger de vin et nous allons retourner en ayant vaincu les musulmans. Mais deux jeunes de Médine ont tué ce même Abu Jahl. Les mécréants de la Mecque avaient un grand mépris à l'égard des gens de Médine. Or, même le dernier désir d'Abu Jahal n'a pas été exaucé. Selon la tradition, si un chef était tué lors de la bataille, on lui tranchait le cou tout près du tronc, tout près de la poitrine. Le coulon indiquait en effet qu'il s'agissait d'un chef. Abdullah bin Masoud l'a vu alors qu'il gisait blessé et immobile. Abdullah lui a demandé Comment vas-tu? Abu Djarhal a répondu Mon unique regret est que deux garçons de Médine m'ont tué. C'est-à-dire, les enfants des paysans qui travaillaient la terre l'ont tué. Aux yeux des Mécois, pareille occupation était méprisable. Et il disait que ces gens-là de Médine, ces paysans, ne connaissaient rien de la bataille et de la guerre. Mais c'était ces gens, voire c'était les enfants de ces gens, de ces novices dans l'art de la guerre qui ont tué Abu Djaral et qui ont réduit à néant son arrogance. Abdullah lui a demandé « Quel est ton dernier souhait ?» Abu Djaral a répondu que « Je souhaite que tu me tranches le cou tout près de la poitrine. » Abdullah a répondu « Je n'exaucerai pas ton dernier vœu. » Et il lui a tranché le cou tout près du menton. Abu Jahal souhaitait que ce jour soit un jour de liesse pour lui, mais ce jour de liesse s'est transformé en jour de deuil pour lui, et il n'a même pas pu digérer ce vin qu'il avait consommé. Le jour de la bataille de Badr-Morwith est tombé à martyr au combat. Abu Moussafe l'avait tué. Le prochain compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Obay bin Karb. Obay bin Ka'b appartenait au clan Banu Marwiyah de la tribu Khazraj des Ansar. Son père se nommait Ka'b bin Ka'is et sa mère se nommait Suraila bint Aswad. Obay bin Ka'b avait deux noms d'emprunt. Le saint prophète, Psa, lui, lui avait donné le nom d'Abu Munzir, et le calife Omar lui avait donné le nom d'Abu Tufel en raison de son fils nommé Tufel. Ubay bin Ka'ab était de taille moyenne. Il avait les cheveux et la barbe de couleur blanc. Ainsi, il ne cachait pas son âge en se teignant les cheveux ou la barbe. Ubay bin Kaab faisait partie des 70 compagnons ayant participé à la deuxième Bayra d'Akraba. Ubay bin Kaab savait lire et écrire avant même l'avènement de l'islam. Et après l'avènement de l'islam, il a eu l'occasion de consigner en écrit les révélations reçues par le saint prophète Mohammed Bissas à Le saint prophète bissau à avait établi un lien de fraternité entre Talha bin Oubaydullah et Ubay bin Kaab. Selon un autre récit, le Saint Prophète Muhammad (pssl) avait établi ce lien de fraternité entre Ubay bin Ka'b et Saïd bin Saïd. Allah avait ordonné au Saint Prophète Muhammad (pssl) d'enseigner le Saint Coran à Ubay bin Ka'b. Le saint prophète Mohamed b. à lui avait déclaré: Obay bin Kab est le plus grand Qari de Mahouma, et on dit qu'il avait une grande connaissance du saint Coran en raison de ce dire du saint prophète Mohammed b. lui. Et il y aura d'autres récits à ce sujet plus loin." Hazrat Maud bin Kab faisait partie de ces quatre personnes à propos desquelles le saint prophète Mohammed b. lui avait déclaré." Ils sont les qari de Satoumma, c'est-à-dire celui qui souhaite apprendre le Coran doit les apprendre de ces quatre personnes. Hazrat Muslim ajoute que l'histoire mentionne le nom de 15 scribes auxquels le Saint-Prophète avait recours pour consigner le Coran. Il y avait Zayd bin Thabit, Ubay bin Qad, Abdullah bin Sarad bin Abi Sarah, Zubair bin al Khalid bin Saïd bin Al-As. عبان بن سيد بن سيد بن الأعص حنزلة بن الربيع الأسدي موقب بن أبي فاطمة عبد الله بن أرقم الزهري شرحبيل بن حسن عبد الله بن رواحة أبو بكر عمر عثمان إي علي Chaque fois que le Saint-Prophète recevait une révélation, il envoyait chercher une de ces personnes pour lui dicter le texte de la révélation reçue. Hazrat Muslim déclare Le Saint-Prophète Mohammed avait créé un groupe de personnes pour enseigner le Coran. Ils avaient mémorisé le Saint-Coran tout entier du Saint-Prophète Mohammed à -so lui et ils l'enseignaient aux autres. Ces quatre grands maîtres avaient pour mission d'apprendre le Coran du Saint-Prophète à -so lui et de l'enseigner aux autres. Et ils avaient sous leur supervision d'autres compagnons qui enseignaient le Coran aux autres. Voici les noms de ces quatre grands maîtres. Abdullah bin Masoud, Salim Maula bin Abi Hudaïfa, Mouaz bin Jabal et Ubay bin Kaab. Les deux premiers sont des émigrants et les deux derniers sont des ansaris. Abdullah bin Massoud était un travailleur manuel, un laboureur. Salim était un esclave affranchi. Mouaz bin Jabal et Ubay bin Kaab étaient parmi les chefs de Médine. En somme, le Saint-Prophète Mohammed avait choisi des haris de toutes les couches de la société de Médine. Selon les hadiths, le saint prophète Muhammad, peace be upon disait Apprenez le Coran de ces quatre personnes Abdullah bin Masoud, Salim Morla Ma bin Abi Huzayfa, Muadh bin Jabal et Ubay bin Kaab. Le saint prophète peace be disait que celui qui souhaite apprendre le Coran et eh bien qu'il l'apprend de ces quatre personnes, Abdullah bin Masoud, Salim et Muad bin Jabal et Ubay bin Kab. Ces quatre personnes avaient appris le Coran du saint prophète Mohammed b. Salloui, où ils lui avaient récité le Coran et celui-ci avait corrigé leurs erreurs. Mais en sus d'eux, de nombreux autres compagnons avaient appris le saint Coran de la personne même du saint prophète Mohammed b. Salloui. Anas bin Malik déclare que le saint prophète Muhammad Pesas lui a dit à Ubay bin Allah m'a ordonné de t'enseigner la surat «Lam yakunil dina kafaru min ahlil kitab. Ubay bin Kab a demandé Est-ce que Dieu a mentionné mon nom Le Saint Prophète a répondu Oui. Sur ce, Ubay bin Kab a commencé à pleurer. Ce récit est tiré d'Al-Bukhari. Selon un autre récit, al bin Malik relate Le Saint Prophète Muhammad bin a dit à Ubay bin Kab. Allah m'a ordonné de te réciter le Saint-Coran tout entier. Ubay bin Kaab a demandé, est-ce qu'Allah vous a mentionné mon nom? Le Saint Prophète a répondu à l'affirmative. Sur ce, Ubay a demandé, le pourvoyeur des deux mondes a-t-il évoqué mon nom? Le Saint Prophète a répondu oui. Et Oubay avait des larmes aux yeux. Hazrat Muslim Aoud a évoqué cet incident, ces termes. Il déclare Abu Hayya Badri relate que lorsque la sourate L'homme yakun a été révélée dans son intégralité, eh bien, l'ange Gabriel a dit au Saint-Prophète Mohammed, Pessoa soit lui Allah vous ordonne d'enseigner cette sourate à Ubay bin Kaab. Sur ce, L'envoyé d'Allah a dit à Ubay bin Ka'b "L'ange Gabriel m'a transmis l'ordre de Dieu de t'enseigner cette sourate." Ubay bin Ka'b a déclaré "Ô oh envoyé d'Allah, Allah a-t-il mentionné mon nom Quand le Saint Prophète a répondu à l'affirmative, eh bien, Ubay bin Ka'b a pleuré de joie. Après le Saint Prophète Muhammad et le calife Omar a répété cette phrase à maintes reprises. Une fois, du haut de la chaire de la mosquée Nabawi, il a déclaré que Ubay bin Kab est le plus grand des Qari. Lors de son voyage vers la Syrie, il s'était arrêté à Jabia, un village dans les environs de Damas. Et dans son sermon, le calife Omar a déclaré. Celui qui souhaite apprendre le Saint-Coran eh bien qu'il aille voir Ubay bin Kaab. Anas bin Malik relate Quatre personnes avaient appris sous la direction du Saint-Prophète Mohammed lui le texte intégral du Saint-Coran. Ils étaient tous des Ansari. Il s'agit d'Ubay bin Kaab, Muad bin Jabal, Abu Zayd et Zayd bin Thabit.

Abu Zayd bin Thabit, Ubay bin Ka'b, Sah bin Rubada et Warqa. Le Saint-Prophète Mohammed bin lui, a déclaré Abu Bakr est celui qui est le plus bienveillant à l'égard de Mahoma, et Omar est le plus strict quant à l'application des préceptes de la religion. C'est-à-dire qu'il est très à cheval sur les principes. Et le Saint-Prophète a déclaré, Rothman est celui qui est le plus pudique. Il a ajouté, moi, bin Jabal dispose de la plus grande connaissance de ce qui est licite et de ce qui est illicite. Et Zayd bin Thabit est celui qui dispose d'un plus grand savoir quant aux obligations. Et Ubay bin Kaab est celui qui maîtrise le mieux la prononciation du texte du Saint-Coran. Ensuite, le prophète a déclaré il existe un amine dans chaque umma et l'amine de cet umma est Abu Ubaida bin Aljara. J'avais mentionné Abu Ubaida bin al Aljara récemment. Après l'arrivée du saint prophète Mohammed bin à Médine, Ubaid bin Kab était son tout premier scribe. C'était lui qui consignait les révélations en écrit. À l'époque, le scribe n'avait pas pour habitude d'apposer son nom à la fin du texte qu'il avait écrit. Ce fut Ubay bin Kab qui avait lancé cette pratique. Par la suite, d'autres personnes ont suivi cette pratique, c'est-à-dire qu'on n'écrivait pas le nom du scribe à la fin du manuscrit, on consignait uniquement à la révélation. Ubay bin Kab a lancé cette pratique de consigner son nom au bas du texte, et cette pratique est devenue courante par la suite. Ubay bin Ka'ab a mémorisé chaque lettre du Coran du saint prophète Muhammad bissahsoua qui avait lui aussi mémorisé ce texte. Et en voyant son engouement, le saint prophète bissahsoua lui portait une attention particulière quant à son enseignement. L'aura de la Noboua empêchait de grands compagnons de poser des questions au saint prophète Muhammad bissahsoua lui, mais Ubay bin Ka'ab quant à lui, posait ses questions sans la moindre hésitation. Cela ne veut pas dire qu'il posait des questions inutiles. Il posait ces questions dans le respect de la Naboua. Il n'hésitait tout simplement pas. En voyant son engouement, parfois, le Saint-Prophète Mahmoud Pécha lui le devançait et le Saint-Prophète Pécha lui répondait à sa question avant qu'il ne la pose. Une fois, lors de la prière du matin, le Saint-Prophète Mohammed Bessas à lui avait raté un verset. Obay bin Kaab s'était joint à la prière en congrégation en retard. Après la soirée, le Saint-Prophète a demandé à la congrégation L'un d'entre vous a-t-il noté quelque chose à propos de ma récitation Tout le monde était silencieux. Ensuite, il a demandé Obay bin Kaab est-il présent Obay venait de terminer sa prière. Peut-être que le Saint-Prophète avait commis cette erreur ou cet oubli lors de la deuxième rakat, et Koubaï avait noté cela, quoiqu'il était en retard pour la prière. En tout cas, quand il a terminé sa prière, il a déclaré, Ô envoyé de là, vous avez raté tel ou tel verset. Vous avez raté ce verset, est-ce que ce verset a été abrogé ou est-ce que vous avez oublié de le réciter? Le Saint Prophète Peshaw lui a répondu, non. J'ai oublié de réciter ce verset. Et en s'adressant à Oubay, le Saint-Prophète Mohammed a ajouté Je savais qu'hormis toi, personne d'autre n'aurait noté cela. Oubay bin Kaab relate J'étais à la mosquée et un individu est entré et il a récité le Saint-Coran avec une prononciation qui m'a paru étrange. Un autre est venu et il a récité le coran d'une manière différente lorsque nous avons terminé la soirée, nous nous sommes présentés au saint prophète mohammed soit, soit lui et j'ai dit au saint prophète mohammed soit, soit lui, que celui-ci a récité le coran d'une manière qui me semblait étrange et ensuite le deuxième est venu et il a récité le saint coran avec une prononciation différente de la première personne le saint prophète Mohammed b. a demandé à ces deux personnes de réciter le Saint Coran tous deux l'ont fait et le saint prophète Mohammed b. a déclaré que leur prononciation était bonne. Obaï déclare que quand le saint prophète Mohammed soit a lui a rectifié mon opinion et qu'il a approuvé la prononciation de ces deux personnes, eh bien, j'étais fort embarrassé. J'ai ressenti un embarras que je n'avais même pas ressenti à l'époque de l'ignorance. Quand le saint prophète Mohammed soit lui a constaté mon embarras lorsqu'il a vu mon embarras sur le visage. Eh bien, il m'a frappé à la poitrine. J'étais en sueur de la tête jusqu'aux pieds. C'était comme si je voyais Dieu dans ma crainte. Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui m'a dit Ô oh, Ubay, Dieu m'a requis de réciter le Coran suivant une prononciation. Je lui ai demandé de faciliter la tâche de ma Umma. Sur ce, il m'a répondu que je pouvais utiliser deux qira c'est-à-dire deux prononciations pour le Coran. Je lui ai demandé de nouveau de faciliter la tâche de ma umma. La troisième fois, il m'a autorisé sept qira, c'est-à-dire sept prononciations différentes pour réciter le Coran. Et Dieu m'a dit que tu auras le droit de faire une requête de prière pour chaque réponse que je t'ai donnée à tes questions. C'est-à-dire que l'ange Gabriel a donné ce message au Saint-Prophète Mohammed bissas lui qu'Allah lui dit qu'il aura le droit à une requête de prière pour chaque question. Le Saint-Prophète Mohammed bissas lui déclare Sur ce, j'ai prié Ô oh Allah, pardonne à ma oumma Ô oh Allah, pardonne à ma oumma. Et la troisième prière, je l'ai réservée pour le jour lorsque toute la création, incluant Ibrahim, se tournera vers moi. Oubay bin Kaab avait atteint une telle perfection dans la récitation du Coran que le saint prophète Mohammed (peace lui, lui faisait réviser le saint Coran tout entier. L'année de son décès, le saint prophète Mohammed (peace be lui, lui a récité le saint Coran tout entier, et le saint prophète a dit à Oubay :« L'ange Gabriel m'a demandé de te faire écouter ma récitation du Coran. » ainsi le saint prophète Muhammad bès lui a récité à oubaï tout le coran durant l'époque bénie du saint prophète bès lui oubaï enseignait le coran à un persan et il lui enseignait le verset il nashad jataz athim eh bien le persan n'arrivait pas à prononcer le mot athim qu'il prononçait comme yatim oubaï en était fort inquiet le saint prophète Mohamed Peshawar, lui, est passé par là et il s'est arrêté en voyant l'inquiétude d'Ubaï. Eh bien, dans la langue persane, il lui a dit dénoncer les mots par « tarthim avec la lettre Zwa. Lorsqu'il a suivi cette consigne, eh bien, il a pu prononcer le mot athim correctement. Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed b. Sosso, lui a dit à Oubayi corrige sa prononciation. Enseigne-le d'après la prononciation de sa langue, afin qu'il puisse énoncer correctement les versets du Saint-Coran. Et fais-lui prononcer correctement ses lettres. Allah t'en récompensera. Lors d'un de ces sermons, le saint prophète Mahmoud Issus lui avait récité la surat Barat, une surat qu'Abu Darda et que Abu Dhar ne connaissaient pas. Durant le sermon, ils ont demandé à Oubay si cette surat venait d'être révélée. Oubay leur a demandé par signe de se taire. Après la prière, quand ils rentraient chez eux, tous deux ont demandé à Oubay pourquoi il n'avait pas répondu à leurs questions. Ubaye a répondu Vos prières sont parties à l'eau aujourd'hui et ce pour une action des plus inutiles de votre part. Sur ce, tous deux ont rapporté au Saint-Prophète Mohamed soit lui, les paroles d'Ubaye. Celui-ci a répondu qu'Ubaye avait raison, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas parler lors du sermon. Ubay bin Kaab déclare que le Saint-Prophète Mohammed lui a demandé Ô oh Abu Muntir, sais-tu quel est le verset le plus important du Coran, du livre d'Allah, qui se trouve à ta disposition Ubay bin Kaab a répondu Allah et son prophète savent le mieux. Le Saint-Prophète Mohammed lui a demandé de nouveau Ô oh Abu Muntir, sais-tu quel est le verset le plus grand du Coran le Coran, le livre d'Allah, qui se trouve à ta disposition. Ubay bin Ka'ab a répondu en citant le verset 256 du chapitre 2 du Saint Coran. Sur ce, le saint prophète, paix soit lui, m'a frappé à la poitrine et il a déclaré par Allah Je te félicite pour ta connaissance. C'est-à-dire, le Saint-Prophète Mohammed a, a apprécié sa réponse. Oubay a enseigné le Saint-Coran à Tufail bin Amr Dawsi à l'époque du Saint-Prophète Mohammed. Sur ce, Tufail lui avait offert un arc en cadeau. Oubay s'est présenté au Saint-Prophète avec ce cadeau. Celui-ci lui a demandé à propos de sa provenance. Oubay a répondu Il s'agit d'un cadeau d'un élève. Le saint prophète Muhammad lui lui a dit: "Retourne cela et à l'avenir évite pareil cadeau. De même un autre élève lui avait offert un vêtement en cadeau et la même situation se répéta: C'est pour cette raison qu'il évitait entièrement cela, c'est-à-dire il évitait d'accepter des cadeaux pour avoir enseigné le Saint Coran. Les gens de la Syrie apprenaient le Coran d'Oubay et ils prenaient aussi les services des scribes de Médine. Et en guise de salaire, ils invitait ces scribes pour des repas. Or, jamais Oubay n'a accepté une seule de leurs invitations pour un repas. Le calife Omar lui avait demandé une fois Comment est la nourriture en Syrie Oubay a répondu Je ne mange pas chez eux. Moi, je mange chez moi. Ubay bin Kaab avait participé aux batailles de Badr ad-douroud, à la bataille du fossé, et aux autres razoites en compagnie du Saint-Prophète Mohammed Bissoua Lors de la bataille d'Oroud, une flèche l'avait atteint à sa veine, la veine qui irrigue sa tête, le dos, les mains et les pieds. Le saint prophète Muhammad b. lui lui a envoyé un médecin qui a tranché la veine et qui l'a pansé de ses mains. Voici un récit sur la bataille de Houd, un récit que j'ai mentionné dans le passé et que j'évoque de nouveau ici brièvement. Après la bataille, le saint prophète Muhammad b. lui a dit à Ubay bin Kab d'aller voir quel était l'état des blessés. Il est arrivé auprès de Sard bin Arabi qui était grièvement blessé et qui vivait ses derniers moments. Oba bin Kab lui a demandé s'il avait un dernier message à offrir à ses proches. Sard a souri et il a répondu, J'attendais qu'un musulman passe par là pour que je puisse lui offrir mon message. Place ta main dans la mienne et promets-moi que tu transmettras certainement mon message. Quel était son message? Il lui a dit oh, :« Ô bon frère, transmets mes salutations aux musulmans et dis à mon peuple et à mes proches que le saint prophète Muhammad Pesos à lui est le meilleur dépôt qu'Allah nous a confié et que nous l'avons protégé avec nos vies. Je pars maintenant et je vous confie la protection de ce dépôt. Ne flanchez point dans la protection de ce dépôt. » La zakat a été rendue obligatoire en l'an 9 de l'Égypte et le saint prophète Mohamed a envoyé des collecteurs pour récolter les aumônes dans les différentes provinces de l'Arabie. Oubay a été nommé collecteur des aumônes des Banu Bali, Banu Azhar et des Banu Sard. Une fois, un individu lui a présenté tous ses animaux et lui a demandé de prendre l'animal de son choix comme aumône. Ubaï a choisi un petit chameau de deux ans le donateur lui a demandé pourquoi prendre celui-là il ne donnera pas de lait et il ne pourra pas porter personne prenez plutôt cette chamelle elle est grosse et jeune Ubaï a répondu il n'en sera pas ainsi je ne pourrai pas contrer une directive du saint prophète mohammed que soit lui Vaut mieux que tu m'accompagnes à Médine, qui n'est pas très loin d'ici. Nous irons voir le Saint prophète Mohamed B. Et nous accepterons son verdict. L'autre était d'accord, et il a accompagné Ubaï à Médine avec la chamelle et il a tout relaté au Saint prophète Mohamed B. Le Saint prophète a répondu que si tu souhaites offrir cette chamelle, eh bien tu pourras le faire. On va l'accepter et Allah t'en récompensera. C'est ainsi que l'autre a présenté la chamelle au saint prophète mohammed puis ce soit lui avant de rentrer. Le travail de la classification des sourates du saint Coran et de la compilation du Coran avait débuté à l'époque d'Abu Bakr. Ubay était le superviseur de ce groupe de compagnons choisis pour ce travail. Il récitait le Coran et les gens consignaient cela en écrit. Étant donné qu'il s'agissait d'érudits compagnons, ils commentaient et discutaient aussi sur les versets du Saint Coran lors de leur travail. Ainsi, ils sont tombés sur le verset suivant de la Sourate Tauba, où il est dit qulubahum, Certains ont dit qu'il s'agissait du dernier verset révélé. Mais Ubay a déclaré non. Le Saint-Prophète Mohammed lui, m'a enseigné deux autres versets par la suite. Il s'agit du verset qui précède l'avant-dernier verset de cette sourate. Lors de son califat, Omar avait lancé des centaines de projets qui étaient très avantageux, dont le système de la Shura. En effet, la Madhidissé Shura avait été établie à l'époque du calife Omar. Ce conseil réunissait d'illustres compagnons de parmi les Ansar et les Muhajirines. Oubay bin Kab y représentait la tribu Khazraj. Un certain Jabir bin Jouber relate ceci Je m'étais présenté au calife Omar pour une affaire quelconque. À côté du calife Omar se trouvait une personne. Portant une barbe blanche et aux vêtements blancs. Il a déclaré Il se trouve en ce monde des provisions pour atteindre notre objectif ici-bas et dans l'au-delà. Et il s'y trouve aussi nos actions pour lesquelles nous serons récompensés dans l'au-delà. Jabir relate J'ai demandé au émir des croyants qui est cette personne. Le calife Omar a répondu Il s'agit d'Oubay bin Kab, le chef des musulmans. Abdulrahman bin Kari relate ceci. Par nuit du Ramadan, je suis parti à la mosquée en compagnie du calife Omar bin Khattab. Dans la mosquée, nous avons vu les fidèles éparpillés, ça et là, en différents groupes. Certains priaient individuellement, certains dirigeaient d'autres fidèles dans la prière. Le calife Omar a déclaré. Il serait mieux de les réunir tous sous la direction d'un seul qari. Ensuite, il les a réunis tous sous la direction de bin Kab. Ils étaient en train d'accomplir des prières nawafil. Obay bin Kab faisait partie de ses grands compagnons ayant entendu de nombreux hadiths du saint prophète Muhammad, bissau lui C'est la raison pour laquelle il servait de précepteur à de nombreux compagnons. Ses élèves comprenaient en majorité des compagnons du Saint-Prophète Mahomet-Bissau-Sadhu. Les compagnons venaient écouter les hadiths de sa bouche. Omar bin Khattab, Abu Ayyub Ansari, Obada bin Thamit, Abu Ureya, Abu Musa Ashari, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Sahal bin Saad, Mthulman bin Thardia, venaient tous écouter les hadiths de la bouche d'Ubay bin Kahab. Kais bin Obada est venu à la rencontre des musulmans à Medine, il a déclaré. Je n'ai trouvé personne de plus grand qu'Obay bin Ka'b. Ka les gens étaient réunis à l'heure de la prière. Le calife Omar était aussi présent. Il fut nécessaire de présenter quelques enseignements et après la sala, Obay bin Ka'b Ka s'est levé et il a présenté les hadiths du Saint-Prophète Mohammed, b. Et tout le monde écoutait tout lui avec engouement. L'aura de a eu un grand effet sur Kaïs. Une femme est venue voir, informer le calife Omar que son mari était décédé et qu'elle était enceinte. Obay bin Kab répondait aussi aux questions de jurisprudence en tirant ses conclusions du Saint-Coran. La femme a relaté qu'au moment de la disparition de son mari, elle était enceinte et qu'elle avait accouché, mais que la période de son Eida n'était pas encore terminée. C'est-à-dire la période d'attente qui est de quatre mois et de dix jours qu'une femme doit observer après la disparition de son mari. Eh bien, cette période ne s'était pas encore écoulée, mais qu'elle était enceinte et qu'elle avait déjà accouché au cours de cette période. Et elle a demandé si elle devait compléter la période d'attente. Le calife Omar lui a dit de compléter la période de l'Ida prescrite pour une veuve. Par la suite, cette veuve s'est rendue auprès d'Ubaï et elle s'est inquiète également à propos de cette question de, de la période d'attente. Elle a informé Ubaï à propos de la réponse du calife Omar et du verdict qu'il avait rendu. Ubaï lui a demandé d'aller voir le calife Omar et de lui dire qu'Ubaï déclare qu'elle pouvait se remarier et qu'elle n'avait plus besoin d'observer la période restante de l'Iddah. Et il lui a dit que j'étais présent si le calife Omar veut me parler. Cette femme est partie voir le calife Omar qui lui a demandé de faire venir Oubay. Oubay est venu et Omar a demandé comment il était arrivé à ce verdict. Oubay a répondu qu'il s'était basé sur le Saint-Coran et il a cité ce verset Ahmali, Hamlahunna. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période sera jusqu'à ce qu'elles soient délivrées de leur fardeau. Ubaï a ensuite déclaré que toute femme enceinte et devenue veuve sera également comptée parmi celles-là. Et Ubaï a déclaré que le Saint-Prophète était arrivé au même verdict. Et Omar a demandé à la femme d'agir en conformité à la consigne d'Ubaï, en d'autres termes que ce qu'il disait était correct. La maison appartenant à Abbas, l'oncle du Saint-Prophète, P. soit lui, était contiguë à la mosquée. Omar voulait agrandir la mosquée du Saint-Prophète et a demandé à Abbas de vendre sa maison afin qu'il puisse l'inclure dans la mosquée. Abbas a déclaré que cela n'était pas possible. Le calife Omar lui a demandé d'offrir la maison en cadeau, mais Abbas a refusé parce que généralement, il faisait les choses à sa manière. Le calife lui a demandé d'étendre lui-même la mosquée et que ce sera un grand acte. Pour le bénéfice de la Ummah. Et s'il devait agrandir la bosquée et y inclure sa maison, Abbas a répondu que cela n'était pas possible non plus. Omar lui a dit Eh bien, tu vas devoir accepter l'une de ces trois options. Abbas a déclaré que je n'accepterai aucune de ces options. Ainsi, ils ont choisi Ubay bin Kab comme arbitre. Ubay a dit au calife Omar quel droit avez-vous de prendre son bien sans son consentement? Vous ne pouvez pas le lui prendre. Omar lui a demandé s'il fonde sa décision sur le Saint-Coran ou sur un Hadith. Ubay a déclaré qu'il s'était basé sur un Hadith Et ensuite, il a déclaré que lorsque le prophète Salomon avait construit le Temple de Jérusalem, l'un de ses murs construits sur la terre de quelqu'un d'autre s'est écroulé. Le prophète Salomon a reçu une révélation indiquant qu'il devra demander la permission propriétaire avant de construire sur ce terrain. En entendant cela, Omar s'est tué. Abbas était loyal et sincère, il avait prêté allégeance au califat et il s'est maîtrisé. Bien qu'il avait initialement refusé, cependant, il avait une disposition pieuse et vertueuse et il avait un grand sens de l'honneur pour la foi et un respect pour le califat. Quand le calife Omar a accepté la décision en Dubaï et qu'il s'était tué, Abbas lui a dit que très bien, je vais inclure ma maison dans la mosquée. <coughs> à une occasion, le calife Omar a décidé d'interdire aux gens d'accomplir le Hajj Tamato. Il existe en effet trois types de Hajj. Certains jeunes peuvent ne pas en être conscients. Le Hajj Damatu est accompli en portant l'ihram de l'umra avant d'arriver à la Mecque. Les pèlerins accomplissent d'abord l'umra, ensuite ils sortent de l'état d'ihram. Ensuite, le 8 de doul hijja ils entrent dans un nouvel état d'ihram et ils effectuent le Hajj. Ceci est connu sous le nom du Hajj Damatu. La forme la plus connue du Hajj est nommée Hajj Mufred. Et le Hajj Kiran est celui pour lequel Rumra et le Hajj sont accomplis dans le même état d'ihram. Néanmoins, Omar a décidé d'interdire aux gens d'accomplir le Hajj Tamatou. Obey lui a dit Vous n'avez pas le droit d'empêcher les gens d'accomplir le Hajj Tamatou. Et le calife Omar a abandonné son idée par la suite. À une autre occasion, le calife Omar avait décidé d'interdire aux gens de porter des manteaux de Hira. Hira, qui était une ville située à environ 5 km de Koufa. La raison en était qu'on utilisait l'urine pour teindre ce tissu, ou peut-être qu'on utilisait l'urine d'un animal afin de décolorer le tissu. Obey lui a dit Vous n'avez pas le droit d'interdire cela, lorsque le Saint-Prophète Mohammed lui-même portait des vêtements de cette couleur et des manteaux de là-bas. Et nous en avons également porté à l'époque du Saint-Prophète Mohammed de Sa celui, et il n'y avait aucun problème à ce propos. En entendant cela, le calife Omar a dit qu'Oubay avait raison et il s'est tué. Lors du califat d'Omar, il y a eu un désaccord entre le calife Omar lui-même et obay concernant un verger. obay s'est mis à pleurer et il a déclaré Dois-je être témoin de tout cela à votre époque Omar lui a dit que telle n'était pas mon intention. Vous êtes libre d'obtenir un verdict du musulman de votre choix. Étant donné qu'il s'agit d'un désaccord entre nous, je ne rendrai pas de verdict. Vous êtes libre d'obtenir le verdict de n'importe qui, car moi je crois avoir raison. Obeï a donc proposé de demander à Zaïd bin Thabit de juger ce différent. Omar a accepté et l'affaire a été présentée devant Zaïd. Omar était le calife de l'Islam, mais il a participé à l'assemblée de Zayd bin Thabit en tant que simple individu. Omar n'était pas d'accord avec la revendication d'Oubay. Omar lui a demandé, vous avez oublié, essayez de vous remémorer. Après avoir réfléchi quelques temps, Oubay a déclaré que je ne me souviens de rien. Omar a relaté ce qui s'était passé. Zayd a demandé à Oubay quelles étaient les preuves qu'il avait pour soutenir son point de vue. Il a déclaré qu'il n'avait pas de preuves mais qu'il pouvait tout simplement demander à l'émir des croyants de jurer, c'est-à-dire de lui demander de faire un serment qui dit la vérité. Il a dit de demander au calife, à l'émir des croyants, de faire un serment. Le calife Omar a déclaré, « Si je dois faire un serment, eh bien, je n'ai aucun problème à le faire. » Et la décision a été prise par la suite. Rothman bin Affan avait établi une équipe de 12 personnes composées des Korachites et des Ansar pour compiler le Saint-Coran. Moubaï bin Kab et Zaid bin Thabit faisaient également partie de cette équipe. À l'époque d'Uthman, il y a eu des désaccords dans tout le pays au sujet de la prononciation de certains termes du Saint-Coran. Le calife Uthman a voulu y mettre fin. Et pour cela, il a souhaité écouter individuellement les récitations des compagnons. Et il a constaté des différences de prononciation entre Obay bin Kab, Abdullah bin Abbas et Muad bin Jabal. En constatant cela, le calife Othman a déclaré que je souhaite que tous les musulmans prononcent le Coran de la même façon. Et parmi les Korachites et les Ansars, il y avait douze compagnons qui maîtrisaient le Saint-Coran. Othman leur a confié cette tâche importante et il a nommé Ubay bin Kab comme le chef de cette équipe. Ubay Radiotalanho récitait les paroles du Saint-Coran et Zaid bin Thabit retranscrivait ces paroles à l'écrit. La grande précision de la prononciation du Saint-Coran dont on dispose aujourd'hui est le résultat de la prononciation d'Ubay bin Kab. Ka Uti <titrage> bin Zamra a déclaré qu'il a demandé à Ubay bin Kab, Ka vous qui êtes les compagnons du Saint prophète que soit lui, que vous est il arrivé? Nous vous rendons visite de très loin afin que vous partagiez avec nous des nouvelles, des anecdotes, afin que vous nous appreniez quelque chose. Mais lorsque nous arrivons chez vous, vous ne nous accordez aucune importance et vous n'avez aucune considération à notre égard. Et vous ne nous accordez aucune importance. Sur ce, Obay bin Kaaba a déclaré que je jure au nom d'Allah que si je reste vivant jusqu'au prochain vendredi, eh bien, je partagerai avec toi une information. Et après quoi, je me soucierai guère si vous me laissez vivre ou si vous me tuez. Le rapporteur déclare que lorsque je suis arrivé à Médine, eh bien, j'ai vu de grandes foules. Je me suis dit, que s'est-il passé? Et quelqu'un m'a dit, est-ce que tu ne résides pas à Médine? J'ai dit non. Il m'a dit, aujourd'hui, le chef des musulmans, au bin Karb, est décédé. Il a déclaré par Dieu, je n'ai jamais vu pareille manifestation de la tribu As-Satar de Dieu, hormis dans le cas d'Oubay bin Karb. C'est-à-dire, Dieu l'avait couvert d'une façon extraordinaire. O'Bay avait dit qu'il dirait quelque chose suite à quoi il n'était pas certain du sort qui lui sera réservé. Le rapporteur a relaté qu'il semblerait qu'Allah, le Très-Haut, l'a préservé de cet instant où il allait divulguer quelque chose qu'il n'avait pas envie de partager. Et Allah, c'est le mieux ce qu'Oubay voulait dire par cette phrase. Le rapporteur déclare que je n'ai jamais témoigné en faveur de quelqu'un d'autre à pareille manifestation de l'attribut sattar de Dieu. Obay bin Ka'ab avait déclaré que je complète une lecture intégrale du Saint-Coran en huit jours. Ubay avait un très grand amour pour le Saint-Prophète Mohammed lui. Le Saint-Prophète P.S.A. lui s'adossait à un des piliers de la mosquée Nabawi, qui était un tronc de datier, pour prononcer son sermon. Mais par la suite, on lui a construit à mimbar, une chaire, et il s'était assis dessus pour prononcer son sermon. Et sur ce, ce pilier a commencé à pleurer et il y a eu des grincements. Le Saint-Prophète s'est approché du pilier et il a posé sa main sur ce pilier et il lui a fait une accolade. Et ce tronc a commencé à pleurer tel un enfant qu'on prend dans les bras pour le consoler jusqu'au point où ce pilier s'est apaisé. Par la suite, lorsque la mosquée a été détruite afin de la reconstruire, Ubay bin Karb a pris ce même tronc, ce tronc parce que le saint prophète pensa à lui y adouci. Il a porté chez lui ce tronc et ce tronc a pourri par la suite et euh, le bois était infesté de termites et tombé en miettes mais il a gardé auprès de lui en raison de son amour pour le Saint-Prophète Mohamed Biswa Ce récit a été rapporté par Musnad Ahmad bin Hanbal et une partie de ce récit est rapportée aussi par Al-Bukhari. Il y avait six quasi ou six juges parmi les compagnons du Saint-Prophète Mohamed Biswa Omar, Ali, Abdullah bin Massoud, Zay bin Thabit, Abu Musa Ashari et Ubay bin Kaab. Famra bin Jundoum était un compagnon de grand renom. Lors de la Salah, après avoir récité le Takbir, il faisait une pause avant de réciter la Surat al-Fatiha. Après avoir dit Allahu Akbar, il restait silencieux pendant quelques temps. Ensuite, il récitait la Surat al-Fatiha. Certaines personnes ont objecté quant à cette pratique. Famra a demandé l'avis de Obaï. Obaï a envoyé une réponse très courte en disant. Que votre pratique est en accord à la charia. Il n'a aucun problème à faire cette pause. Cela est conforme à la charia. Et ceux qui soulèvent des objections à cet égard ne devraient pas le faire. souad bin Rafla avait participé à une bataille aux côtés de Zaid bin Shujan et de Suleyman bin Rabia. Une bataille qui s'est déroulée dans une région appelée Huzaib où ils ont trouvé un fouet. Ouseb est une vallée des Banu Tamim. C'est un point d'eau qui se situe entre Kadzia et Mauricia, environ 6 km de Mauricia. En tout cas, Swed a ramassé le fouet. On lui a dit de le laisser là-bas, car il pourrait appartenir à un musulman. Il a répondu que je vais certainement le prendre. S'il reste au sol, les loups vont le manger et, et ils s'en nourriront. Vaut mieux que j'en tire profit. Quelques jours après, Swed est parti accomplir le Hajj. Et il est passé par Médine en cours de route. Il s'est rendu chez Oubay et lui a relaté le récit concernant le fouet. Oubay a répondu Je me suis trouvé dans une situation similaire. J'avais trouvé 100 dinars à l'époque du Saint-Prophète Mohammed lui Ainsi qu'il s'agisse de 100 dinars ou d'un simple fouet, chaque objet possède sa valeur et appartient à autrui. Écoutez la réponse du Saint-Prophète Mohammed P.S.A.L.U. Oubay a répondu Le Saint-Prophète Mohammed lui: m'avait ordonné d'informer les gens pendant un an, c'est-à-dire d'en faire l'annonce que j'avais fait cette trouvaille. Une fois une année écoulée, il fallait garder en mémoire la quantité de pièces et les signes distinctifs de ces pièces et d'attendre une année de plus. Si une personne vous réclame cet argent ou cet objet, vous devez le lui rendre, sinon cet objet vous appartient. C'est-à-dire, il faut attendre deux années entières. Il faut faire l'annonce pendant une année. Et pendant une autre année, il faut garder en mémoire la description de cet objet. Et si quelqu'un revendique cet objet, il faudra le lui rendre. Un jour, quelqu'un annonçait dans la mosquée qu'il avait perdu un objet. Obay n'avait pas apprécié cela. L'autre a dit que je n'ai pas commis une action condamnable. Mais Ubaye a déclaré qu'il faut quand même respecter la mosquée. Il ne faut pas y annoncer la perte d'un objet mondain, car cela porte atteinte à l'honneur de la mosquée. Il existe différents récits sur la mort d'Ubaye. Certains disent qu'il était décédé à l'époque d'Umar, en l'an 22 de l'Egypte. Selon un autre récit, il serait décédé en l'an 30 de léger à l'époque du califat d'Othman. Et ce récit est le plus exact, car Othman avait confié à Ubay la tâche de la compilation du Saint-Coran. Ubay avait deux fils, Tufel et Mohammed. Leur mère se prénommait Ome bint Tufel. Elle était originaire de la tribu d'os Et on rapporte aussi que Ubay

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروه اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر